Alors Fred, fin de la phase régulière avec une nouvelle victoire à l'extérieur, donc dernier bloc de la saison invaincu, de quoi travailler sereinement? Ouais, écoute, c'est toujours plus facile de travailler dans la victoire que dans la défaite. Je crois qu'on a fait un bloc complet, on a su prendre des points à l'extérieur, je crois qu'on y a gagné trois fois. Ce qui n'était pas fait d'avance parce que c'était des équipes qui jouaient à peu près toutes quelque chose, donc voilà, c'est bien de se préparer comme ça. D'accord, et La Rochelle pour la demi-finale, quel est le ressenti du groupe par rapport à cet adversaire? Écoute, je crois que c'est une équipe qu'on connaît très bien, ça va faire trois ans qu'on les côtoie en demi-finale, donc ça va faire la neuvième rencontre. On a reçu deux fois ici, donc voilà, maintenant on se déplace à La Rochelle, la pression est sur leurs épaules cette fois, et nous on a pratiquement rien à perdre, et tout à y gagner, donc on va jouer le jeu à fond. Va-t-il y avoir un climat particulier autour de cette rencontre? Non. Il y aura une ambiance particulière parce que c'est un stade extraordinaire pour la Pro D2. Il y a 12 500 personnes qui sont derrière leurs joueurs. Et donc voilà, donc on s'attend à une belle ambiance, un milieu un peu chaud, mais voilà, on adore ça. On s'entraîne toute une vie pour jouer des matchs comme ça. Donc c'est très bien que ça tombe là-bas. Par rapport à ton expérience, quelles sont les clés pour remporter ce type de match couperet? Bon, les clés, c'est toujours les mêmes en demi-finale. Quoi. En phase finale, c'est une grosse conquête d'abord. Voilà, c'est avoir ses ballons, si possible prendre quelques ballons sur conquête directe aux autres, et puis une grosse défense. Quoi. Et voilà, et ça, ce sont de bons ingrédients pour avoir une bonne discipline, parce que quand on commence à perdre ses ballons, quand on commence à être sur le reculoir, on commet souvent des fautes. Donc voilà, si on a nos ballons et qu'on joue et qu'on avance, on ne fera pas de fautes, donc on sera discipliné. Et ce sont les ingrédients pour gagner à l'extérieur. Pour parler un peu de toi, tu joues tes derniers matchs en tant que joueur professionnel. Comment les abordes-tu? Bon, écoute, je les aborde avec sérénité. Voilà, on a fait un peu la fête, on a dit au revoir au Hamon le dernier match contre Mont-de-Marsan. Maintenant, on a basculé dans tout à fait autre chose, on est en mode phase finale, donc maintenant les adieux sont finis, on joue pour monter et on joue pour gagner ce match, donc voilà, je les aborde comme s'il m'en restait 10 derrière.